Good morning, allez Yiden, les tutres aujourd'hui, les Louinishmat, Mori, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zaman, Nissim Ben Ahouda, Sarah Batra Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Bat Chaim Nechemia, ainsi que Nerfouat, Avraham Uri, Ben Reout, Betor, Shar, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perek Vav, Mishnah Gimel. Kol Haolim la Mizbeach, Olin Derech Yamin, Umakifin, Veyordin Derech Smol. Chutz, Mina Ole, Lishlosha Advarim Elu, Chayolim, Vechozrim, les Akev. Mishnah courte aujourd'hui, heureusement pour moi, parce que l'Akba Omer, je fais ça vraiment entre deux. Tout celui, je traduis d'abord et après on explique. Kol Haolim la Mizbeach, tous ceux qui montaient sur le Mizbeach, tous les Kohanim qui montaient au Mizbeach, qui avaient quelque chose à faire là-haut, d'accord ? Que ce soit pour. Essentiellement pour faire griller l'épave qui revenait au Mizbéar, en général les différentes graisses, alors, ou dans la Ola, toute la Ola. Alors la Mishnah nous enseigne que Olin derech Yamin, ou Makifin, Veyordin derech Smol. Ils montent du côté droit, ils font le tour, et ils redescendent du côté gauche. Je m'explique. Ça, on avait dit que c'était le pneu à Mizbeach. Vous voyez ici dans le dessin, on a le kevesh, la rampe par laquelle on monte. Alors, quand on se met la face, le nez en direction de la montée, alors on a deux voies. On peut monter par la droite ici, et ici, il y a la gauche, d'accord? Et bien, la Mishnah nous enseigne tout celui qui monte sur le Mizbeach, il monte sur le côté droit, en fait, comme on conduit, nous, pas les Anglais, justement. Donc, on monte à droite. Et une fois qu'on arrive sur le Mizbéar, on fait ce qu'on a à faire. On fait le tour, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, selon ce qu'on a à faire, en fait. Et on redescend ici par le côté gauche. Donc on continue, comme ce que, la règle qu'on avait expliqué dans le cours précédent, que tout ce qu'on fait, on tourne toujours à droite. Kol pniot shataponé, lo yu, et là, derech yamin. Des fois, quand je me plante sur la route et que je ne sais pas quoi choisir, je l'ai fait plusieurs fois, et plusieurs fois, ça a marché. D'accord ? Ça veut dire peut-être que des fois, Hachem, il veut que vous n'arrivez pas à votre rendez-vous, donc vous allez tourner à droite. Ne le faites pas trop souvent. Vaut mieux avoir le Waze. En tout cas, donc, tout celui qui monte à droite, il monte sur la voie de droite, et il fait le tour, et après, il redescend, donc, sur la voie de gauche, étant donné que lui, une fois qu'il arrive ici, il tourne sur sa droite pour reprendre, pour redescendre. Donc, c'est la voie de gauche. Ok ? Ça marche à trois exceptions. Chutz mina ole lishlosha dvarim. Hello ! Shayu Olim Vechozrin Leakev. Sauf ceux qui montaient pour ces trois choses-là, qui sont ceux qu'on a évoqués dans la Mishnah précédente, qu'on va rapporter tout de suite, que Shayu Olim, qui montait, mais alors là, ils allaient à contresens. Ils tournaient directement sur le côté gauche, et après ils revenaient sur leurs pieds et ils redescendaient directement. C'est-à-dire, on avait appris dans la Mishnah, en fait, ça se résumait en fait à deux qui font trois. Il y avait ce qu'on avait expliqué pour la. Et Khatataof, il y avait, donc on avait dit Nisou Khamaim Vayain, Veolataof. Ok, il y avait trois choses en fait. Khatataof, on la faisait en bas. Ouais, on la faisait par terre. Ouais, on avait pris la photo ici. Khatataof, on la faisait en bas. Mais la Olataof, Olataof, on avait expliqué dans la mission précédente que Olataof, normalement, il faut la faire sur le Keren Mizrahit Dromit, Est, Sud, Sud-Est, ici. Mais des fois, quand il y a trop de monde ici, alors on a aussi la possibilité de la faire de l'autre côté, du côté sud-ouest, mais en haut, parce que le Olataof, il faut la faire en haut. Et il faut lui verser son sang là-haut, on en reparlera plus en détail ensuite, la verser, même ensuite la jeter sur le feu. Et de ce fait, lorsque l'on monte pour faire une Olataof, la Mishnah nous enseigne, ben, sache que tu peux prendre, tu montes avec ta tourterelle ou ton pigeon, tu arrives ici à la hauteur qu'il faut, et là, tu coupes et tu pars directement sur le coin. Et tu vas directement, tu tournes à gauche, c'est une des rares fois, avec aussi, lorsqu'on va faire le Nisuch Hamaim Ve'ayayin, les oblations de vin et d'eau, on avait dit à chaque orban, il y avait ici les deux basichines, où il y avait les deux trous en fait, où ça descendait jusqu'au chitine, ce qu'on avait expliqué ici, là, ce que je vous avais mis en bleu, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, il y avait ici deux trous dans lesquels on versait le vin, un pour qui était spécifique pour le vin, lorsqu'on apporte un corban, il fallait apporter aussi du vin. On faisait l'oblation de vin, elle était donc sur ce coin, Drom Maharav, sud-ouest, et l'eau aussi à Soukot, on faisait le Nisou Hamaim, et on apportait de l'eau et on versait cette eau-là. Et là, ça se retrouvait aussi dans ce coin-là, et
Et la Mishnah nous enseigne qu'on avait le qu'on montait de nouveau, on partait directement ici sur le coin. Pour quelle raison on avait le droit d'aller à contresens? Ah, on risque de faire un accident frontal avec un autre code qui est en train de redescendre. Pourquoi ça? Toujours, il faut toujours prendre la droite. Pour quelle raison? Alors le Bartonora nous rapporte deux raisons, chacun selon sa bonne raison. Pour la Olata Off, vous savez, la Olata Off, le pigeon qu'on va faire en Corban Ola en holocauste, on le prenait vivant pour monter. Et une fois qu'on était là-haut, on l'égorgeait, le Kohen il l'égorgeait avec son ongle, comme on verra plus tard, il faisait la médica, ce qu'on appelle. Il le faisait là-haut. Donc ça veut dire que jusqu'à qu'il arrive là-haut et qu'il commence à l'égorger, à l'abattre, pour ensuite asperger son sang, eh ben le pauvre poulet, il est vivant. Mais si on va faire le tour, et qu'il y a, c'est des grandes grillades, ici, ça brûle des quantités. Vous avez, pour vous donner une idée, quoi, il y avait plus de 28, il me semble qu'il reste 28 amas, c'est ici, il y a 28, il y a 28 amas de là jusque là. Donc vous imaginez, 14 mètres sur 14 mètres, c'est, il y avait plusieurs bûchers, et ça brûlait, il y avait de la viande, des quantités terribles de viande qui brûlait. Vous imaginez quand il y avait tout le Ham Israël qui venait, la quantité de chair, de viande à faire brûler en très peu de temps. Alors, on craint hein, que si le Cohen il va prendre le petit poulet, il va se mettre à faire le tour, pas le poulet, le petit pigeon ou la tourterelle, il va se mettre à faire le tour du Misbéar en marchant ici sur le rebord, alors on a peur que le poulet il va s'intoxiquer avec toutes ces fumées, il risque de tourner un petit peu de l'œil. De ce fait, Rabbi m'ont dit, bon, cette fois-ci, tu vas à contresens, tu fuis directement sur le coin, tu le fais vite et tu le tues tranquillement. Et, à part ça aussi, pour les oblations d'eau et de vin, alors de nouveau, il y a une yann d'apporter du beau, du frais, de l'agréable, et si tu vas faire le tour avec toutes ces fumées et la chaleur qu'il peut y avoir, alors ça risque de tourner, mais de perdre un petit peu leur saveur, leur beau goût, leur pureté. De ce fait, tu bifurques et tu vas le faire directement sur le coin, à contresens, et quand tu as fini, Hazrim la'akev. Il revient sur ses pas. On aurait pu croire qu'on aurait une obligation de faire tout le tour du Misbéar, que si déjà t'as tourné ici, tu continues à faire le tour. La Mishnah nous dit non, t'as tourné, mais dès que t'as fini de faire ce que t'as fait, tu recommences à circuler selon le sens de la circulation, donc tu reviens sur tes pas et tu redescends directement. Hazrim la'akev, tu reviens sur tes talons. On a fini. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.